Salut la grande famille et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une journée où nous allons maintenant vous montrer la ville de Séville. Alors, comme vous le savez toujours, vous êtes nouveau ici, moi je suis Joël, donc vous êtes sur votre canal où on parle beaucoup de la vie ici au Portugal, où on vous informe aussi sur le Portugal et on fait des vlogs sur des pays européens. Alors, sur cette vidéo, comme je viens de vous le dire, la première vidéo que vous avez vue, on n'a pas pu faire grand chose, c'était le premier jour qu'on est arrivé et puis on a organisé les choses. Et aujourd'hui, c'est justement, on va se promener dans la ville. Je vais vous montrer la ville, le côté. Et j'ai réservé aussi une réservation qu'on va faire une balade sur un bateau. On va voir comment est-ce qu'on va organiser ça. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer tout sur la ville et sur la promenade. Alors, on y va avec moi pour la vidéo. Pour que vous puissiez connaître aussi la vie de Séville. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre j'aime si vous êtes vraiment nouveau ici. Merci. Alors, on vient. Sur Plaja d'Espagne, c'est-à-dire place d'Espagne. Donc en Espagne, on dit Plaja d'Espagne. Maintenant, j'ai laissé la voiture ici. C'était vraiment très difficile de rencontrer une place, de laisser la voiture. Et la place qu'on part, c'est ça. Vous voyez? Donc nous allons entrer à l'intérieur de ces immeubles ici. Ce n'est pas l'immeuble, c'est pas un château. Donc nous allons entrer à l'intérieur. Et puis nous allons voir, parce que je suis parti de l'autre côté là pour chercher de l'espace, il n'y a pas d'espace. Je suis venu ici, mais regardez comment est-ce que les gars qui m'ont fait entrer ici m'ont fait stationner la voiture. Donc je ne sais pas, le monsieur ici lorsqu'il sera de retour, où est-ce qu'il va, comment il va sortir, je pense qu'il va sortir de l'avant. Et de mon côté ici, la voiture ici, je ne sais pas comment est-ce qu'il va sortir aussi, mais je pense qu'il va sortir aussi de l'avant. Donc c'est ça. Moi, le plus important, j'ai trouvé la place, j'ai laissé la voiture. Alors, nous allons entrer à l'intérieur et puis nous allons visiter ensemble. De l'autre côté qu'on va voir, il y a le concert qui est en train de se donner là-bas. Mais sans oublier qu'ici, il y a le montage de ce podium. Donc ça veut dire qu'il y aura déjà un concert ou une fête, quelque chose comme ça. Donc ça va se passer justement ici. Parce qu'ils sont en train de monter le podium de l'autre côté, c'est le centre, pour pouvoir voir la vision ici. Mais si c'est un concert, ça sera vraiment quelque chose de bon. Alors, on part de l'autre côté pour voir le concert qui s'est donné, les gens qui chantaient là-bas. Donc, nous sommes arrivés en retard, les gens qui donnaient le concert, regardez, ils ont fini. Donc, au moment que où on était en train de filmer de l'autre côté, ils chantaient tout ça. Mais voilà, ils ont déjà fini, ils sont en train d'organiser leur matériel déjà. Bon,
désolé. Hein. On n'a pas pu faire le tour. Je suis désolé, on n'a pas pu faire le tour. Bon, la famille, je vais vous dire une chose. Justement, une chose. Tenez bien. Donc, soyez vraiment, vraiment, vraiment concentrés. Dites-moi une chose. Je vais vous montrer aussi ça. Depuis que je suis ici, je vais tourner la caméra. Dites-moi que ce soit une fille, que ce soit un homme, qui est en pantalon, qui est en veste. Je vous montre le tout. Dites-moi qui est en pantalon, qui est en veste. Donc, je crois que vous avez vu personne. Et moi aussi, je suis là. Je crois que vous avez vu personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est justement qu'il fait tellement chaud, que personne peut entrer ici ou se promener aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, en pantalon ou en veste. Oui, il fait tellement chaud. Le maximum de degrés aujourd'hui, c'est combien? C'est 40 degrés. Donc tellement chaud et vous ne pouvez voir personne en pantalon. Et alors, encore une autre chose. Nous allons monter ensemble là-bas à l'intérieur, au-dessus. Nous allons monter là-bas dessus. Je vais vous montrer l'espace par là-haut. Donc, on y va ensemble et puis vous allez voir. Et à l'intérieur du même parc, nous avons aussi le jardin que je vais maintenant vous présenter. Le jardin, si je suis en lunettes, c'est parce que il fait très chaud. Alors, on était déjà en train de marcher, alors j'en profite aussi de prendre aussi des images pour vous. Et nous allons visiter aussi le jardin qui se trouve à l'intérieur de la Plaza d'Espagne. Comment est-ce que ce jardin, parce que c'est très beau, très beau à voir. Derrière les messieurs. On suit les messieurs, il fuit, attrapez les messieurs, qui fuit là-bas, attrapez-les. Ah.
La grande famille, nous on devrait passer de l'autre côté. De ce côté où la police est, donc on est en retard par rapport à ce que nous avons prévu. Et on ne peut pas passer parce qu'il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si la culture ici c'est quoi, qui se passe aussi en direct de la télévision. Regardez, donc on ne peut pas passer de l'autre côté là-bas. Et ici, il y a ceci. On est pris ici, donc je ne sais pas si on va perdre ce qu'on a pu réserver de l'autre côté pour aller voir avec vous. Je suis marré, donc je suis barré avec ça. Alors, la famille, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Le service que j'avais réservé, c'est un service de marcher sur le bateau ici que vous voyez. Marcher sur ce bateau ici. Mais ce n'est pas ce bateau ici, c'est l'un des bateaux qui est de l'autre côté. Je ne sais pas si vous parvenez à voir. C'est le bateau qui est là. Donc c'est le service que j'avais prévu. Et par rapport à ce qu'ils nous ont pris de l'autre côté là, je ne sais pas si c'était le 5 quoi là. Et l'heure a pu passer, j'ai pu appeler le service pour canceller le service. Et les services qu'ils ont, quand ils ont annulé mon service, ils ont annulé mon billet. Et j'attends justement après vers 21h, parce qu'il est déjà 21h déjà. Il est déjà 21h. J'attends maintenant que ça passe 21h, parce que c'était réservé à 20h. Que ça passe 21h, que je puisse appeler encore. C'est ce qu'ils m'ont dit pour annuler la réservation, que je puisse, mais qu'ils puissent me rembourser. Et regardez le bateau en question, c'est ça. Pardon? Ça, c'est le bateau en question. Le bateau en question, pardon. Et les gens qui m'ont fait rater ma promenade dans ces bateaux, les saints, je ne sais pas si Saint-Maria, parce qu'ici, à chaque pays, a l'air saint, parce que vous savez, il y a Saint-Maria, Saint-Isabelle. Donc, ici en Espagne, pardon, ils appellent Saint-Isabelle. Voilà les gens qui m'ont fait rater le bateau. Ce sont les gens ici. Ils m'ont fait perdre. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Parce que l'ouverture des tickets, c'est justement vers de 11h à 20h. Et moi, j'avais réservé pour le 20h. Et le 20h, c'est passé. On est déjà à 21h. On est déjà à 21h. Oui, on est 21h. Vous allez dire 21h. Il y a beaucoup de soleil comme ça. Oui, oui, oui. Il est vraiment 21h et vous voyez le soleil là qui brille. Il est vraiment 21h, donc c'est un truc de fou. Et voilà encore la famille. Donc après avoir perdu cette occasion là d'aller marcher sur le bateau en question, et maintenant je vais vous présenter la rue, la cité. On va se promener à la cité et je vais vous montrer aussi la cité, comment est-ce qu'est la cité. Parce que nous avons déjà perdu l'occasion du bateau et nous allons visiter la cité ensemble avec vous. Comment est-ce que nous allons voir la cité de Séville, au petit coin que nous allons marcher. Venez avec nous. Même aimer aussi la promenade. Alors ça, c'est justement une petite promenade qu'on a fait à Séville. Séville, donc c'est une ville d'Espagne.
Et ceux qui connaissent, qui suivent le football, connaissent déjà c'est quoi l'équipe de Séville. J'avais aussi prévu d'aller même vers le stade, mais je n'ai pas pu avoir les temps suffisants pour vous montrer ça. Et voilà, c'est justement une petite promenade qu'on a fait ici à Séville. Sinon, on espère bien que vous allez aimer la vidéo, vous allez laisser vos j'aime, vous allez partager la vidéo et vous allez vraiment appuyer cette vidéo. Donc, laissez votre j'aime et on se voit pour la toute prochaine vidéo. Bye!